Allons-y. Oh. On n'est pas si mal. Oh. Il est quelle heure? Non, l'appart est vraiment mignon en vrai. Il est 22h08. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans notre appartement à Montréal, on est à Québec, la ville de Québec. Au programme de cette vidéo, bon bah petit 1, on va faire les touristes. Hein. Et petit 2, j'ai un peu fait ma fouine, genre j'ai trouvé des adresses assez sympas. Du coup, je pense qu'on va vous les partager tout au long de cette vidéo. Et on commence dès ce soir, parce que là, littéralement, il est 22h passé. On vient d'arriver, on n'a pas encore mangé, et je suis tombée sur Nina Pizza. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Alors, je vous avoue qu'elles ont vraiment pas donné par contre, donc j'espère qu'elles sont bonnes. Mais en tout cas, vu le site, ça a l'air vraiment sympa. Pour cette qui, c'est ça toi ça? J'ai pris des huiles pimentées. Ça, c'est la margarita. Elles sont moins épaisses que sur les photos, hein. C'est ce que je me suis dit aussi, elles sont beaucoup moins épaisses que sur les photos. Qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai très bien. Ouais. Bon, elles sont bonnes franchement, ouais. Sympa. Par contre les croûtes étaient plus grosses sur la photo. Mais elles sont bonnes, franchement elles sont pas mal. Bon, nous on va arriver en fait tout simplement. Et on vous retrouve demain. Avec un programme bien chargé. On se retrouve le lendemain matin avec une luminosité qui fait plaisir. C'est un petit peu mieux que la lumière de hier soir qui était pas fameuse, on va pas se mentir. Belle luminosité, ouais, par contre le ciel, j'aime pas. Genre regardez-moi ce ciel, il va nous flotter dessus l'après-midi. Ce qui fait que là, on termine de se préparer et on va essayer de profiter un petit peu de Québec avant qu'il pleuve. Voilà. Bon, comme promis, avant de partir, je vais très vite vous faire un petit room tour du Airbnb parce qu'il est vraiment, vraiment très sympa. Bon, la chambre, je l'ai déjà faite hier, je l'ai filmée hier avant. Qu'on dorme parce que je savais que le lit il serait plus fait. Petit hall d'entrée, bonjour. Petite cuisine avec un litre de café préparé. On a un petit puits de lumière super sympa au-dessus de la cuisine. Et le petit salon. Pourquoi t'es toujours dans les pièces où je fais les room tours? Parce que j'habite ici. Les Loki et compagnie, ça se dégage. Bonjour. Salut. On y va? Entendu. Ah, voyez. Ouais. Ah, ouais. Et on a le soleil qui sort et tout, c'est... J'ai envie d'y croire. Peut-être quand même une chance. Hein. Bouillant. Le café est bouillant. Pourquoi il y en a un qui a la queue bleue? Oui. Et il a la queue c'est toute bleue de aussi. Voir de chez... D'un coup... C'est l'inverse de ce qui tient. Je passe à gauche, je ça, on marche à droite. T'es où? T'es là. Bon matin. Bon matin. C'est un gâteau chocolat framboise avoine de chez Café Smith. J'adore les cookies. Qui c'est la vie? C'est mon monsieur qui passe. Tiens, je te le passe la caméra. Filme ton monsieur qui passe. Eh, il est vraiment bon, regarde. Moi j'aime bien. Il commence un peu à nous pleuvoir dessus. Cookie around the world. Les petites gouttes là. Les petites gouttes qui tombent de plus en plus. Je me demande le lien qu'il y a du coup entre ça. Ça, Caro a pas vu. Quoi? Thank you.
je joue pas en la faveur des images, mais... Mais c'est magnifique. C'est magnifique comme endroit. Bonjour. On va aux plaines d'Abraham. On va aux plaines d'Abraham. It's a Schipperke. Schipperke, yeah. Yes. It's a Belgian dog? Belgian dog, the little one. But this looks just like my Belgian sheepdog. So the big one? The big one. Yes. Good shape. Yeah. Yeah. Wonderful appearance. Merci. Have a nice day, bye. Have a nice day, bye-bye. Ah, Nox, la star. Nox, t'as pas fini de faire ta star, là? On se fait arrêter par tout le monde avec Nox. On est en train de monter, parce que nous allons aux plaines d'Abraham. Apparemment c'est très très joli, c'est également un spot à faire ici. Et on se dépêche un petit peu, on s'active parce qu'il commence à pleuvoir de plus en plus. On réalise quand même qu'il y a un avantage au mauvais temps, bah, il n'y a pas beaucoup de touristes. Du coup on a des spots quand même plutôt sympas. La tempête approche. Ah, est-ce... Pire en pire. Un petit cheddar. Ok, ça va ressembler plus au... Cool. Est-ce que ça goûte le cheddar? Ouais. Ouais, non, non. Ils font des bonbons, t'as capté? Ah ouais. Ah, eux, je les ai vus là, les nouveaux à la pub, c'est Oreo Star Wars là. Pour ceux qui aiment les Reese's, ça c'est juste les best Reese's qui existent. Voilà. La gelée en truffe de chocolat. La gelée en truffe de chocolat, ouais. Ok. Bah, moi je pense que je vais prendre un truc qui arrache. Il y a lui au coca là qui arrache, qui a l'air pas mal. Je suis extrême crunch. Extrême sour crunch. Moi je prends ça. Au sec. Oh, le cadre est beau. Ouais, ça change de l'appartement. Oh yo. C'est quand même beaucoup plus mignon que notre appart à Montréal. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris comme merde? Attends, on est sur un truc, je connais pas la marque, hein, je sais pas ce que c'est. Je le passe pas sur Youka, hein, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo. Genre c'est mort, hein, on est d'accord. Les cheveux ça va pas du tout, parce que quand il pleut... De base, ça va pas, alors quand il pleut, c'est encore pire. J'ai dit petit bonhomme. Oh, j'ai la mâchoire qui chauffe. Non pas parce que ça pique, genre ça pique pas. Je suis un peu déçue. Enfin, ça pique quasiment pas. Par contre, c'est chaud à marcher, hein. Bon, nous, on va brainstormer sur où est-ce qu'on va aller après. Parce que, en soi, on sait qu'on va aller boire un verre au Château Frontenac, au bar à cocktail 1608, qui a l'air vraiment pas mal, hein, soit dit en passant. Mais on sait pas exactement où est-ce qu'on va manger ce soir. Il y a plein de petits restos, parce qu'on a envie de se faire un resto, mais on sait pas encore où. On en a repéré plusieurs, donc on va brainstormer. Hein? Et on revient vers vous. Voilà, des 4 heures. Et là, maintenant, on va te laisser ici. Parce que t'es chiant, on peut pas faire les magasins de souvenirs avec toi. On est ressorti. Il flotte comme vache qui pisse. C'est vrai que je m'estime chanceux là qu'on est. Non, il peut. Est-ce que ce serait pas la grosse batch là qu'on est en train de se taper? Ouais, là c'est encore pire qu'avant. Combien de mois d'avance? C'est un peu tôt. Hein. Ah non, c'est des chocolats chauds. Et arrête, c'est plein de chocolats chauds. Regarde,
Oh, t'as un green au chocolat. Oh mon dieu, t'as un purple au chocolat. Je te jure, moi, j'en prends un. C'est quoi ça? Attends, tata. T'as un red velvet au chocolat. Arrête, ça a l'air incroyable. T'as un s'mores coco. Oh, genre, je te jure, j'en prends. Je te jure, j'en prends au moins deux. Moi, je veux tester un weird là. Genre, on a cotton candy green. Color changing white. Mais il est à quoi? Blanc qui devient vert. Non, c'est trop bizarre. Là, on a. T'as yuka ou pas? Mais je te jure, non. Oh, y'a un. Regarde, à l'orange. Ah putain. Ça, ouais, mais il a pas de couleur lui. C'est juste que le packaging est pas enfantin, du coup tu n'aimes pas. Mais. Oui. Oui. Un chocolat chaud à la crème brûlée, ça a l'air incroyable. Moi je prends. On en a foutre, moi je prends. Oh non. C'est des Yoda qui font de la lumière. Oh mais c'est incroyable. On s'est fait rincer. Oui. Encore une fois. Allez, on va se mettre au chaud dans le château. Oh putain, mais là on le voit. Oh, il pleut, ça. Attends, bon, je vais prendre une porte moi avec ça, j'aime pas ça. Bon. M'improviser quelque chose avec de la chartreuse. Oui, et dans quel style, qu'est-ce qu'on est absolument. Là-dessus, c'est carte blanche. Il n'y a pas de stress à avoir, c'est vraiment, s'il y a de la chartreuse, je suis. Tu vas avoir un truc, t'as nouveau demandé un truc bizarre. Eh ben. Ah mais là on a un art là en fait. On est au bar 1608, un cadre super sympa. Non, le cadre il est super bien sympa. Bien sûr, oui, mais bien sûr que c'est sympa. Si vous aimez les cocktails, en vrai, il y a des filles au moins une fois, tu sais, un verre. On en parle de la météo? Ça va? Comme ça depuis hier. Du coup, on est arrivé. Ah, on est pas mal, hein? T'as pas le choix, quoi? Quoi. Faut aller promener le chien, faut qu'il fasse pipi. Non, mais si c'est pour faire un pipi rapide, peut-être que genre dans une heure ça se calme, mais genre. Dans une heure, je dors. On se retrouve quelques jours plus tard pour. Terminer cette vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude, je n'arrive pas à faire mes outros le jour même. Je les fais toujours genre une semaine après, deux semaines après. Petit aparté, je chuchote parce que Joe est de nuit cette semaine, ce qui fait que là, il est encore en train de dormir. Donc j'évite de trop parler fort. En gros, après le cocktail, on est allé manger au restaurant La Bûche. C'est assez typique. C'est très touristique vu le cadre, on va pas se mentir. Ils font des plats vraiment un petit peu comme à la Stube alsacienne, c'est assez bonne franquette. C'était bon, c'était... Tous les restaurants sont chers, mais genre les prix, ça allait. Parce que à la base, en fait, on avait hésité avec un autre restaurant qui est le restaurant Sagami, je sais pas comment ça se prononce. C'est un restaurant qui, vraiment, il avait l'air incroyable, mais deux points. La première, c'est que c'était quand même pas donné. Genre les prix étaient assez chers même si ça avait l'air incroyable. Petit 2, en gros leur spécialité c'est des brochettes de viande en tipi qui te font flamber devant toi, ça avait l'air incroyable mais je suis végétarienne, je ne mange pas de viande. Donc au final on a préféré aller à la bûche, voilà. C'était vachement chouette, mais si vous avez l'occasion et que vous êtes des viandards en vrai, je pense aller à Sagamit. Ça a l'air vraiment sympa, allez-y. Ce qu'on retient de Québec, à part la pluie évidemment, c'était très très beau. Principalement on a fait le vieux Québec, c'était vraiment super beau et je pense qu'on va y retourner quand il fera beau parce que ça vaut vraiment le coup, ou alors quand il y a de la neige. Ça peut être sympa aussi. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. Genre là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais jamais à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à dans deux semaines, pour une prochaine vidéo.
pas en chuchotant. C'est promis.